Aujourd'hui, nous dans la pagode Kwanti, les Salines, nous pouvons célébrer l'anniversaire de Kwanti. Dans le chapel, les fêtes mines. Qui fait la fête mine? Parce que les Chinois, l'anniversaire mine, c'est long. Ça signifie longue vie. Nous avons une activité qui nous peut faire aujourd'hui, comme une cérémonie religieuse. Nous pouvons faire la danse du lion, du dragon, et nous faire une petite danse chinoise. Kwanti, c'était un guerrier. Il est né en 160 et il est exécuté en 220 hein, de notre ère. Il est bien loyal. Hein. Ça même, il a beaucoup de vertus. C'est même un empereur, il fait vivre un saint. C'est pour ça que depuis 1000 ans, nous pouvons adorer Kwanti et entier le monde. Kwanti, c'est beaucoup de commerçants, pour de commerce. Alors, M. Lok Choy San, le fondateur de la pagode, est un businessman. Alors, il y a deux Kwanti. Alors, il s'est mis à faire la pagode là, au dieu Kwanti. Depuis 1842. Depuis l'ouverture, nous avons fait la fête mine. Malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas réussi à faire. Nous étions en plein confinement. Mais du moment où nous entendons qu'il nous ouvre, nous essayons de faire une petite affaire parce que ça fait presque deux ans qu'il ne nous pas faire aucune activité. Bienvenue à la pagode Kwanti ce soir. Merci tout le monde d'être présent aujourd'hui pour la fête de Kwanti, l'anniversaire de Kwanti, plus connu sous le nom de Fête Mine. Nous allons avoir notre président, professeur Donald Achuen, qui va vous adresser quelques mots. Et puis, on va commencer par la cérémonie qui va être faite par Madame Chan. Bonsoir tout le monde, mes collègues membres du comité de direction de la pagode Kwanti. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous accueillir tous ce soir à la pagode Kwanti à l'occasion de l'anniversaire de Kwanti Kung et aussi à l'occasion des 180 années d'existence de la pagode Kwanti qui fut construite en 1842 grâce à la générosité immense de M. Lok Choy San, grand notable de la communauté chinoise qui était venu de la province de Fujian. L'existence de notre pagode confirme que l'immigration chinoise à Maurice date de plus de 200 ans, même si on exclut l'arrivée des Chinois au temps de la colonisation hollandaise et française. La pagode a malheureusement subi des dommages importants pendant le cyclone Carole en 1960. Aujourd'hui, grâce aux dons des membres de la communauté chinoise,
en particulier de ces philanthropes. Le toit a été reconstruit avec un style plus élégant et aussi plus en hauteur qui permet d'avoir une meilleure ventilation dans la salle de prière et d'offrande. La pagode est dirigée par un comité représentant les membres à égalité de trois groupes de la communauté chinoise, c'est-à-dire les Chinois venus de Fujian, venus de Canton et de Meishan, qui sont les Hakka. Depuis les années 90, un nouveau comité de direction fut élu et depuis cette période, on a continué à améliorer l'infrastructure et le paysage de la pagode. Après 2 ans de misère, d'austérité, de peur et d'inquiétude dans leur vie quotidienne à cause du COVID, du virus COVID, l'île Maurice a maintenant recommencé à vivre normalement avec la levée des restrictions il y a quelques semaines de cela. Et donc nous invitons les dévots de la communauté chinoise de revenir en grand nombre à la pagode pour remercier Dieu et pour demander à la divinité Kwan de continuer à nous accorder sa bénédiction et sa protection. Je veux dire maintenant dire quelques mots en Hakka. Mai Kimbuya, Sufun Fonji, Fonyang, Taizika, Kovi Kaobao, Lai Tsamka, Kwan Ti Kongwe, Sangye, Yu Liong Yanye. 我们吃人民都很苦也一讲因为给他们到疫情 COVID-19 也十分危险十分厉害过所以这时间政府就改天我有汉字今不日两年以后两个礼拜以前 政府家庭爱开放，所以呢，我们今年度一次游，相信大家也会跟一放去可以来倒转来给，啊，太子家来给精神，我们管理工，爱继续的保护我的人，保护我的人，身体好，身体健康，舒服快乐，爱多谢太子家。 Donc, ayant dit ces quelques mots pour mes confrères de la communauté chinoise qui sont venus en grand nombre, pour les remercier de venir ici, et je voudrais terminer encore une fois à remercier tout le monde, tout particulièrement Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine et son épouse qui sont venus pour la première fois. Parce qu'il vient d'arriver à Maurice depuis quelques mois et je le remercie aussi une fois. Donc, puis-je terminer en vous remerciant tous pour votre présence. Merci beaucoup. Merci, professeur Donald, pour ces those kind words. Et nous allons commencer la cérémonie avec Madame Chan. 地根保单拜书作文开始。 公元2021年岁次，2021年6月23日，至巡抚梁神结义，汉书亭后关圣帝君报诞，你毛利求师华侨华裔，捐以香花财宝，书食果品。 请作旨意，自己与汉书亭后关圣帝君之神位前，以现以言曰：拜书殿里开始，前体效力，主祭、辟祭、御祭，向汉书亭后关圣帝君之神位前，行三鞠躬礼，一鞠躬。 再鞠躬，三鞠躬，双双。
鲜花。送钱土遁疏困约法三藏宁何狂汉切不狂潮一集战役立于国内基站颜良复祖文处列上小事立即眺望奉敬挂印以致清凉用创五官满斩六将赤壁一战开破朝军化用赤道意识坚雄甘心复萃依破云天金珠世俗愧对民主佛兴表散天运告终五福关公一胎英雄功名表扬气壮山河名扬青史万古流芳莫求不免立志海疆世世奉旨以表忠良志当双树奉旨勤足福为圣地献孝应扬佑我侨众老幼安详风调雨顺国泰民安恭喜福甘内阁内上上上祝之辟之预之向汉书亭后观圣地君之神位前行三鞠躬礼，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。全体人士向向汉书亭后观圣地君之神位前祠堂，一鞠躬。李散明细炮
流过眼里，也一缕春风轻轻作诗。